Je dis que il y a plus de 3000 et quelques personnes qui sont mortes à cause de cette sanguinaire Alpha Condé. Il y a plus de 3000 et quelques qui sont morts avec la oppression et la privatisation des droits citoyens et la privatisation des droits constitutionnels. Il y a plus de 3000 et quelques personnes qui sont dans les prisons. Quand seront connus, beaucoup de territoires de la Guinée, parce que quand seront connus, c'est un camp de torturation. C'est là-bas qu'ils sont en train de torturer nos frères à mort. À quand seront connus? Tout le monde sait que seront connus, c'est un camp de torturation. Il y a plus de 3000 personnes. Quand nous regardons Maison Centrale, quand nous regardons de camps seront connus, quand nous regardons de l'abbé, de Cancan, de Kindia, quand nous regardons de partout le territoire de la Guinée, Zéro Courrier, Massanta, etc. Et quand nous regardons de Boké, combien de personnes qui sont dans les détentions à Tougué, vers Tougué là, ainsi de suite. Combien de personnes ont été dans les prisons, combien de personnes sont dans les prisons de Mamou, combien de personnes dans les prisons de Dalaba, de Pita, etc. qui sont opposés pour le troisième mandat. Malgré Alpha Condé, lui, il sait très bien la violation des droits constitutionnels. Alpha Condé sait quelle douleur, quelle est la hauteur, jusqu'à quel niveau la gravité. Parce que lui, il a dit qu'il combattre Alpha Condé. Alpha Condé dit qu'il combattre celui-là, et ses Koutouré. Alpha Condé a fait combat contre ses Koutouré. Alpha Condé a fait combat contre l'ancien Conté. Pourquoi? Parce que pour établir l'état de droit. Maintenant, si Alpha Condé a fait tout ça là, cela veut dire Alpha Condé connaît très bien la gravité et jusqu'à quel niveau est grave pour violer le droit constitutionnel. Maintenant, lui, il a fait 40 ans de combat. Et lui, il était dans l'université Sorbonne pour aller étudier l'université Sorbonne. Il sait que pourquoi les droits université Sorbonne, là, il a dit qu'il est professeur de droit. C'est que lui, il nous avait dit en Guinée. Maintenant, quelqu'un qui est le professeur de droit, cela veut dire que la personne là connaît les droits, il connaît comment les droits fonctionnent, il connaît les droits constitutionnels. Maintenant, le moment qu'ils sont violés, le moment que lui, il a gagné l'élection, En 93, jusqu'à 2010, tous les moments, toutes les élections, c'est que lui, il a gagné. Le moment qu'on a bafié les élections, le moment qu'on a fraudé les élections. Donc, il sait que Alpha Condé sait quelle douleur, quelles circonstances, qu'est-ce que ça va causer comme la gravité. Maintenant, c'est le moment qu'ils ont fait les détentions à ces militants, à différents militants de RPC, le temps de Sékou Touré ou bien le temps de Lansana Conté. Le moment qu'Alpha Condé a été condamné à mort en France, Sékou Touré a condamné à mort. Parce que tout le monde a vu que Alpha Condé, il était en condamné à mort en France. Tous les condamnés morts là, Alpha Condé sait la gravité. Quand on a condamné quelqu'un, quelle est la gravité, comment la personne va se sentir, et quand on a condamné quelqu'un, les gens qui sont dans les prisons, ou bien les gens qui sont en asile politique, en étranger. Le moment qu'Alpha Condé est en étranger, il a demandé asile en France. Le moment qu'il a eu des confrontements avec l'ensemble et Sékou Touré, parce que Sékou Touré a condamné à mort. Comment il se sent le moment qu'il n'a pas à côté des Guinéens, le moment qu'il n'a pas à côté de sa famille en Guinée, le moment qu'il n'a pas été en Guinée, à son entourage là-bas. Il était emprisonné en France, condamné à mort. Le moment que Conté est venu au pouvoir, Conté a gracié, créé le multipartilisme. Multipartilisme pour donner opportunité à Alpha Condé pour qu'il rentre en Guinée d'abord. Son premier voyage, c'est en Guinée. Après la condamnation de Sékou Touré. Après la mort de Sékou Touré. Le premier jour que Alpha Condé est voyagé en Guinée. Comment il était content? Comment il était heureux? Comment il se sent retrouvé dans la famille, embrasser la famille.
Mais Nassi, lui, à son temps maintenant, lui, il a subi tout ça, il sait que la douleur, la gravité, tout ça là. Maintenant, lui, il sait maintenant, il a privatisé d'autres personnes. Parce que combien de personnes qui sont en étranger, en asile politique, ailleurs. Alpha Condé a privatisé toutes ces personnes-là. Alpha Condé a emprisonné les gens qui sont dans les prisons et ils ne peuvent pas embraser leur famille. Ils sont dans les prisons. Plus de 3000 et quelques personnes qui sont dans les prisons. À cause de quoi? Les activistes avec les acteurs politiques, avec les sociétés civiles, avec les syndicats qui sont dans les prisons en Guinée. Les prisonniers politiques qui sont en Guinée, plus de 3000 et quelques personnes qui ne peuvent pas embraser leur famille, qui ne peuvent pas donner l'amour paternel à leurs enfants, qui sont dans les prisons, qui sont dans des situations difficiles, parce qu'on sait que la Guinée, il y a un défi en Guinée. La situation est gravée en Guinée. Alpha Condé n'a pas pensé tout ça là, mes frères guinéens. Alpha Condé n'a pas réfléchi. Il n'a pas été humain. Il n'a pas un sentiment humain. Il n'a pas un sentiment patriotisme. Il n'a pas un sentiment son carrière politique. Il n'a pas pensé son professeur de droit. Comment il a été subi? Qu'est-ce qu'il a subi? L'ancien Conté a pardonné Alpha Condé. L'ancien Conté a pardonné Alpha Condé. Alpha Condé est rentré en Guinée. Maintenant, à la même temps que dès qu'il est rentré, comme toujours, c'est une personne naturellement mauvaise, naturellement méchante, naturellement haineuse. Le temps de l'ancien Conté encore, il a repris la malhonnête. Il a continué encore être malfrat. Il a continué encore être malfrat. L'ancien Conté, il a pris les armes de guerre contre de la Guinée. Il a organisé une rébellion. Il a organisé une milice en Guinée. L'ancien Conté a pris dans le flagrant délit. L'ancien Conté a condamné. Il a fait 2 ans dans les prisons. Après, encore, l'ancien Conté a gracié. Malgré, il a essayé beaucoup de tentatives d'assassiner contre l'ancien Conté. Parce que les gens ont dit que le 96, le coup d'état de 96 de Yaya Sow, les gens disent que c'est Alpha Condé qui est derrière ce coup d'état de Yaya Sow là, 96. Il y a plusieurs coup d'état qui est passé en Guinée. Selon les gens dit, même le coup d'état de Diarra le 4 juillet, c'est Alpha Condé qui est derrière tout ça là. Malgré tout ça là, l'ancien Conté a gracié. Malgré tout ça, l'ancien Conté a pardonné. Maintenant, le 28 septembre aussi, il a commis un grand crime encore le 28 septembre 2009 encore. Malgré tout ça, là, c'est lui qui est le pouvoir. Maintenant, où se trouve, alors que toujours son âge est avancé, Alpha Condé, toujours, il est proche de la mort plus qu'être jeune. Il peut mourir aujourd'hui comme il peut mourir demain. C'est parce qu'il a 96 ans. Il est proche de mort. Il est proche de mort. Maintenant, si lui va causer la mort d'un de nos frères dans les prisons, regardez Fony Kimangé, un symbole de la révolution. Un symbole de la révolution. Un symbole de la résistance. Fony Kimangé, c'est un symbole de la résistance. Maintenant, Alpha Condé, tout le monde, il dit qu'il faut que tout le monde signe les documents. Alpha Condé, pardonnez-moi, c'est toi qui es notre père, c'est toi qui es Dieu Allah subhanahu wa ta'ala, c'est toi qui es le petit Dieu en Guinée. Alpha Condé, pardonnez-moi. Alpha Condé, pardonnez-moi. Quand tu dis pardon, on te gracie. Quand tu dis pardon, on te gracie. Comme Fony Kimangé a dit que lui ne peut pas demander pardon, donc on ne peut pas gracier Fony Kimangé. Malgré, c'est un activiste, malgré, il n'a rien fait du tout. Fony Kimangé n'a rien fait du tout, comme d'autres personnes qui sont dans les prisons, et ils n'ont rien fait encore du tout. Ils n'ont pas malfrat. Le malfrat est dans les libertés définitives. Les gens qui sont malfrats, ils ont aucune inquiétude. Le malfrat marche très bien en Guinée. Ils sont libérés. Ils sont avec toute la liberté. Maintenant, les bonnes personnes qui sont dans les prisons aujourd'hui, c'est les bonnes personnes qui sont dans les prisons aujourd'hui. Mes frères guinéens, comment vous voyez cette situation? Quelle est votre pensée avec cette situation? Si Fony Kimangé, quelque chose arrive à Fony Kimangé, Alpha Condé va prendre les pots cassés. Si l'ancien Conté n'a pas pitié de toi, tu vas pourrir dans les prisons. Mais l'ancien Conté a pensé la humanité. L'ancien Conté a pensé la démocratie. L'ancien Conté a pensé la souveraineté de la Guinée. L'ancien Conté a pensé le bon vivre ensemble de la Guinée. L'ancien Conté a pensé la humanité. L'ancien Conté a pensé que tu es un citoyen guinéen comme d'autres personnes, que toi tu peux diriger la Guinée comme d'autres personnes qui peuvent diriger.
que toi tu as des droits de vivre. L'ancien Conté a pensé que l'ancien Conté, Alpha Conté, toi tu as des droits de vivre, toi tu as des droits de penser, toi tu as des droits de liberté, toi tu as tout. Raison pour laquelle l'ancien Conté t'a donné, t'a gracié, il t'a donné grâce, il t'a pardonné complètement. Toi tu dis que toi tu ne peux pas pardonner. Toi tu dis que toi tu vas être haineuse alors que tu n'as pas raison du tout. Toi tu dis que tu es démocrate. Toi tu dis que tu es une personne démocrate. Toi tu dis que tu es une personne intellectuelle. Une personne démocrate. Toi, tu sais que la constitution, la manière, combien d'années tu es en train de lutter pour restaurer la paix et la démocratie est dans notre pays. Toi, tu dis que tu fais la lutte sincère. Maintenant, en 2010, toi, tu es venu au pouvoir. Dans l'histoire de la Guinée, ce que les gens disent, c'est toi qui es démocratiquement élu. En manière sans fraude, même s'il y a des fraudes, parce qu'on sait que c'est Seloudan le Diallo qui a gagné l'élection. Mais l'ancien Conté est rentré au pouvoir dans le coup d'État. Après la mort de Sékou Touré, l'ancien Conté a pris le coup d'État. Et le destin de la Guinée. Ça, ce n'est pas manière élection. Ce n'est pas élection que j'ai fait. L'ancien Conté est venu au pouvoir. Mais au moins, toi, on a organisé une élection. Toi, tu as gagné l'élection, tu es venu au pouvoir. Même si tu n'as pas gagné légalement, parce que nous, on sait que tu n'as pas gagné légalement, mais on peut dire que tu as gagné l'élection. 2010. Maintenant, nous pensons que toi, tu devrais être une référence pour nous, un symbole pour nous, un doyen pour nous, un bon exemplaire, un symbole de la Guinée, en disant Alpha Condé a gagné l'élection librement, Alpha Condé a gagné l'élection première fois dans le soir. Maintenant, Alpha Condé, est-ce que c'est... Si toi tu as fait un premier mandat, tu as fait un deuxième mandat, malgré même si tu dis que la constitution ne conforme pas, c'est pas en conformité de l'actualité de la Guinée. Malgré même si tu dis que les constitutions là, ça ne peut pas correspondre les besoins de la Guinée. Mais selon moi, il faut déjà quitter. Selon toi, tu as fait ce combat là, toi tu as fait ce lit là, toi tu es intellectuel là, tu dois te débrancher, tu vas dire moi, fou Alpha Condé. Je suis une personne bonne personne, je suis une personne démocrate, je ne peux pas briser le troisième mandat, je ne peux pas manipuler les Guinéens, je ne peux pas falsifier la constitution, je ne peux pas manipuler ni organiser un référendum illégal qui a été contesté par toutes les tendues des territoires de la Guinée. Après moi encore, je vais venir demain, ça soit encore continué, président à vie. Alpha Condé, où se trouve ton honneur, où se trouve ton diplôme? Ce que tu as dit, le combat que tu as fait, cela veut dire que tu n'es pas une bonne personne, Alpha Condé. Une bonne personne ne fait pas ça. Toi, tu ne peux pas nous dire que toi, tu es démocrate. Toi, tu ne peux pas nous dire que tu as fait le combat pour restaurer la paix, pour restaurer la démocratie, restaurer un état de droit. Après, toi, tu violes tout ça là. Tu prends tout ça là, tu mets dans l'eau. Quand tu as regardé, moi, il faut déjà quitter. Je n'ai jamais contesté le premier mandat de Alpha Condé. Je n'ai jamais me manifesté le premier mandat de Alpha Condé. Je n'ai jamais fait une vidéo et aucune reproche à Alpha Condé son premier mandat. Quand tu regardes son deuxième mandat, je n'ai jamais fait la reproche, je n'ai jamais contesté, je n'ai rien fait du tout. Mais je vois maintenant Alpha Condé a pris un engagement pour censer notre constitution, pour mettre le président à vie, à son intérêt personnel. Dès que j'ai vu, Alpha Condé a fait une campagne pour modifier la constitution, pour organiser un référendum illégal à sa faveur. Parce que pour son propre intérêt, c'est le moment là que moi je commençais de manifester, c'est le moment là que moi je commençais de contester, c'est le moment là que moi j'ai déclaré officiellement ma position. C'est le moment là que moi j'ai pris les décisions, je dis que ça c'est inacceptable. Alpha Condé ne peut pas nous dire qu'il est démocrate. Alpha Condé ne peut pas nous dire que lui il est une personne de... honnête. Alpha Condé ne peut pas nous dire qu'il est intellectuel. Alpha Condé ne peut pas nous dire qu'il a fait 40 ans de lutte. Après lui aussi, il va venir de nous manipuler, il va venir de nous enrouler dans les farines
pour son intérêt personnel. Je dis que ça, c'est pas ça, c'est pas faisable, ça, c'est inacceptable. C'est le moment là que je pris des positions. C'est le moment là que je prends les décisions. C'est le moment là que je commençais de combattre Alpha Condé avec tous ces clans qui est derrière de Alpha Condé pour en disant non, non, non à la dictature, non à la manipulation, non à hasard de conscience, non à abus de pouvoir, non à la oppression des populations. Donc non à l'intimidation, non kidnapping, non emprisonner les citoyens guinéens injustement. C'est le moment là que je pris des positions. Donc il faut que vous compreniez très bien. Maintenant, la même personne qui est... Si l'enfant Conté n'a pas pitié de toi, tu vas mourir, tu vas pourrir dans les prisons. Maintenant, toi, tu dis que tu ne peux pas pitié. Maintenant, toi, tu dis qu'obligatoirement, il faut que les gens écrivent dans la lettre, même s'ils n'ont rien fait du tout. Parce qu'ils n'ont pas senti la musique que toi, tu voulais danser. Parce qu'ils n'ont pas senti la musique que toi, tu veux qu'ils vont sentir. Parce qu'ils n'ont pas senti la musique que toi, c'est que toi, Alpha Condé, tu veux que tu vas danser. Maintenant, à cause de ça, tu dis qu'ils n'ont pas de droit de respirer. Ils n'ont pas de droit de circuler. Ils n'ont pas de droit de penser. Ils n'ont pas de droit de liberté. Tu as privatisé leurs droits et banalisé la vie guinéenne. Objectivement, ce que tu devrais faire, tu n'as pas fait du tout. Tu as failli ta mission complètement, Alpha Condé. Tu es essuyé dans l'histoire. Alpha Condé est essuyé dans l'histoire. Alpha Condé est essuyé dans l'histoire. Ce que nous pensons, ce que nous disons, ce que nous on dit, ce que nous on pensé, Alpha Condé est essuyé complètement dans l'histoire. Il est passé à côté, il est totalement essuyé. Il est perdu, il est perdu, il est perdu, il est perdant. Nara falama awalo ha ha wali ranyo. Awali mundu nanyoma. Normalement, wali na nasera sinde. Khayame khore. Khayame adamadi ikhuinara. Khayame adamadi ikha reputation nara. Khayame adamadi ilambe nara. Donc ikhuinara soukhi la gine keyira. Ila khanana ita wende falama. Ita nyere mafendira. Ah ala, nata mayagi. Pour y'a mounaki. Mais on va voir d'ambé tout parce que nous avons fait Irendi. Donc vraiment je vous remercie mes frères guinéens. Je suis de cœur avec vous, je suis votre frère. Sincèrement, on va lutter, on va donner la main, on va travailler dans la sincérité et on va travailler dans la transparence. Mais je supplie tout le monde encore. Laissez insulter les deux grands-parents de Alpha Condé. La maman et le papa de Alpha Condé n'ont rien fait du tout. Ils n'ont rien fait du tout. La maman de Alpha Condé n'a rien fait du tout. Le papa de Alpha Condé n'a rien fait du tout. Un jour là, ça ne peut pas solutionner. Un jour là, ça ne peut pas solutionner. Ce n'est pas la solution. Donc, on doit faire être un exemplaire. Et nous, on ne doit pas comporter de manière sauvage ou de manière non adéquate. Je ne suis pas d'accord, je ne serai pas d'accord pour insulter les deux grands-parents de Alpha Condé. Je ne suis pas d'accord et je ne serai jamais être d'accord pour insulter les papas ou bien la maman de Alpha Condé. Parce qu'ils n'ont rien fait du tout. Ils sont innocents. S'ils sont là aujourd'hui, ils vont corriger Alpha Condé. C'est sûr et certain. J'ai 100% confiance à ça. Si le papa de Alpha Condé est là aujourd'hui ou bien la maman de Alpha Condé est là aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que Alpha Condé fait, il ne peut pas le faire. Je suis 100% sûr de ça. Mais la raison pour laquelle je ne suis pas là, je suis en genoux, je plaidoyer tous les peuples guinéens. Je suis en genoux, on ne peut pas insulter des grands-parents d'Alpha Condé. C'est Alpha Condé qui est fautif, ce n'est pas ses parents. Ce n'est pas les parents d'Alpha Condé qui est fautif. C'est Alpha Condé qui est fautif. C'est lui qui est malfrat. C'est lui qui a